Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory, l'épisode où on va, dans lequel on va peut-être, enfin, terminer notre production de moteur, hein. Allez, on traîne pas, on récupère tout ce qui est vis, donc on avait dit que c'était une rangée. Je vais pas m'enquiquiner, je vais faire une rangée par machin, là, par récupération de vis. Les vis, j'en récupère 40 à la fois, donc 4, 8, 16, 16, 20, donc là on a 200 par rangée. Et 200 vis par rangée. Ça fait beaucoup. Comment je les récupère ? De la place, j'ai l'air d'avoir de la place des deux côtés. Ouais. Donc là j'ai de la place des deux côtés, là aussi, et là-bas aussi. Ok, impeccable. Donc, le mieux ce serait d'essayer de le faire de ce côté-là. Si je le peux. Aligner ça. Oui. Alors, groupeur. C'est enfin un paquet, mine de rien. Je me débrouille aussi au niveau des convoyeurs. Parce que là, c'est facile, j'ai 40. J'ai 80. J'ai 120. Là, j'ai 160. Et là, à partir de là, il me faut du MK3. Parce que j'ai beaucoup. 200. Donc on va essayer de faire. Oh la vache! L'apparition! Un Pokémon sauvage apparaît, la vache. Ouais, je l'ai pas. Oui. Donc là, j'ai le convoyeur. Non. Peur. On va faire ça du même principe des deux côtés. Les deux côtés, qu'est-ce que je raconte? Du côté gauche. Heureusement, ça met un peu plus de temps pour se remplir. Donc on a de la longueur. Parce que tout à l'heure, mine de rien, il y en a un qui est parti vraiment loin. Attention, ok. Ah, ce ballon, ça.
Ok, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Petit loupé. Non, c'est pas ça. Ouais. Des trucs comme ça, c'est plus de calcul. Ouais. Parce que là, chaque truc là sur un tel pourvoyeur fait un calcul. C'est pas petit quoi. C'est pas. On verra ce que ça donne. Ah. Oh, trop bien. Je pensais qu'il m'en restait encore 3. Au moins 3. Voilà, on a tout le vis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, c'est ça. Donc on a nos. Attendez, que je regarde pour être sur 1125 vis. En théorie. J'ai manqué de place ou. Ouais, je vais manquer de place là. J'ai 12 assembleuses à mettre. Je peux faire en 6-6, ça c'est pas trop le souci. Produit à balle. Hein. Je vais voir un truc. C'est bon, on va faire au niveau conso. C'est vrai que les constructeurs, c'est pas ce qui prend le plus en consommation. C'est le bon côté. Bon, bah là, je vais essayer de faire un 6-6. Place, mais je mets pas la place. Bon, on va décaler cette entrée là. Chargé de l'alimentation. Je l'ai pas du tout placé de la même manière. Là, on est juste devant, ouais. Ah ouais, là on est juste derrière. Ouais, c'est pas très grave. Franchement. Ouais.
marche. Pile sur la ligne. Ah ouais, d'accord. Dedans. Ah non, ils ont juste tout juste évité, ils se sont dit ah merde, on a un peu déconné, donc ils ont fait une petite. Ouais, ça rend pas. Ouais, ça se touche pas, mais presque, hein, dis donc. Hop. Et là, c'est du rotor. Ok, coller. Coller, voilà. Donc là on a tout. Maintenant faut alimenter. Hein. Alimenter et faire partir aussi. Hop. Hop. J'en ai 12. Il me faut les. Donc il me faut 4 sur la prod de moteur et il me faut 8 sur le reste. Ok. 1, 2, 3, 4. Je pense que je prendrai ces 4 là. Non, peut-être ces 4 là. Bon, on verra. Ah oui, mais non. Si. C'est. Donc j'ai la lime et ça il me faut les iron rod, donc les tiges de fer et des vis. Ah c'est un peu proche, j'aurais dû le faire plus loin. C'est pas bien grave pour la souris. Les trois là ils partiront sur le côté là, quitte à agrandir encore d'une largeur de ce côté là. Les trois là vont y monter là. Ouais, ouais, sinon ça va être vite compliqué. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout ça là.
Oh non, le béton. Oh merde, je crois que j'ai pris mes dernières réserves en plus. Oh non. Ah ouais, ouais. Je vais devoir aller en chercher. Toutes mes excuses. Petite pause. Alors. Ah oui, on disait. Ça s'alimente de. Ah oui. Ok. Répartiteur. Voilà. Dans ce sens-là ou dans l'autre ? Et on peut gagner de la place si je le mets là lui. Tac. Lui il doit pas être dans le bon sens. MK2. Tac. Voilà. Voilà. Donc à 3 ça. Non, c'est le MK2, on s'en fout. Je fais du MK3, je fais du MK2. Bon, plaque de fer renforcée, on va en avoir besoin. Et au pire, je m'en fais pas parce que si j'en ai pas, je mettrai des barres d'acier. Vraiment. Là, j'en ai déjà la 240. Tac, 300. Hop. Ah bah, je suis plein. Donc là on a sorti, là on a l'entrée, on va faire pareil ici. Merde, m'arrange-moi. Non, on va le faire ici. N'inquiétez pas, tout au. Pas de bol. Alors, je l'ai mis comment? Tu tac. Donc, tac. Tac. Et ok. Donc on alimente. Et là on alimente là-bas aussi, à partir de là aussi, je veux dire. Voilà. Et mon vieil, pourquoi tu me souviens comme ça ? Le droit fonctionne pas. Hein ? Il est droit, là ? Ouais. Alors, il se passe des choses des fois. Qu'est-ce que c'est? Tu peux pas être droit, toi.
vis hein, quand même. Voilà. C'est un peu lent là. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas, c'est du MK2 ouais tout ça, tout là, tout du haut. Ah oui mais c'est en haut que c'est pas du MK2. Mais c'est bizarre ça, c'est pas assez vite. Parce qu'en haut. On a tout en MK6. En MK2. En MK6 carrément. Merci. Ça c'est les sorties. Ce sont les... Oh merde. Parce que là j'ai de l'anime en fait. Et même là, hein. Je sais pas ce que j'ai foutu. On va décaler un peu plus. C'est pas bien grave. Hop, tac, tac, tac. Ça dure à nager, putain j'allais dire nager à contre-courant, à courir à contre-sens. Là je mets l'alimentation en tige. Oui, je suis en train de réfléchir. Là, j'ai besoin que du MK1. Je crois que j'ai fait une connerie quelque part là. Si je retrouve pas mes tiges, c'est que j'ai jamais fait une connerie. Attends, mais j'ai une production de tiges ici, c'est. Oh merde. Attends. Qu'est-ce que. Ça part en anime. Y a pas une couillon de poté là. Y a un truc. Alors j'ai peut-être oublié à force de tourner des épisodes dessus, j'ai peut-être oublié ce que j'en ai fait. Mais.
C'est des vis à partir de tiges. Ok, ok, je suis d'accord. Mais les 60, je les envoie. Donc ça fait 10 de rab. Pourtant j'ai fait la production de vis. La production de tige, je suis bon. Oh, y a une couille dans le potage là, quelque part. On est d'accord qu'avec ça j'alimente un seul. Chaque sortie alimente un truc, pas plus. Avoir 200 tiges là qui arrivent, 225 tiges même qui arrivent. J'ai pas pu les attendez. Et comme je les tourne vachement en avance mes épisodes, ça se trouve là vous êtes en train de crier dans les commentaires, depuis deux épisodes stop, t'as fait de la merde. Et vous dites putain, mais il continue en plus d'un épisode à l'autre, le con. En fait, j'ai 19 constructeurs qui sont censés être alloués uniquement à l'alimentation de... Putain, c'est un bordel. À l'alimentation de mes... Alors j'ai 19 constructeurs de tiges de fer qui sont censés être alloués à la construction des 29... Enfin, du 30, du coup, constructeurs... De vis. J'en ai 15. Sans avoir 15, c'est ça, avec 15. Ah putain. Ah c'est ça, c'est pour ça que j'avais pas terminé. Donc en fait là j'ai 3 et 4, 7. Et 4, 11, et 4, 15, et 4, 19. Ah oui. 3, et 4, 7, et 4, 11, et 4, 15, et 4, 19. Et en fait, toute cette partie, à partir de là, je suis pas censé alimenter. T, c'est quoi ça? Bon, regarde. Tout ça, c'est pas censé alimenter ma production de vis. Tout ça, je suis censé alimenter. De retour. Ah merde, c'est con ça. Ah, c'est très con ça. Bon bah c'est parti. Le rotor, on verra plus tard. C'est terrible. On va le faire autrement. On va le faire autrement. Parce que là, je suis dans la... Tac, tac. Comme ça.
Et... Ah, et là, j'en ai pas bien. Et là... Pardon. Et là, la ligne est un peu plus loin. Quoi. Et là... M4-1, j'ai pas vu. Waouh, ouais, d'accord, ouais, je me disais aussi. Il y avait quelque chose. Hop. Et là, je crois que je peux aligner. Je peux aligner assez tranquillement. Oh, bah, tu sais que t'es toi. Un peu d'acier là. Bon, ça j'en ai une tonne. J'en ai 2 tonnes, 3 tonnes, 6 tonnes. Voilà, hop, 760. Voilà. Là, tout ça j'alimente. Enfin, j'alimente. Je me soumets les convoyeurs. Ah oui, d'accord, c'est juste parce que le dernier il en avait un. Je me disais, c'est bizarre, ça avance quand même un peu. En effet, en effet. Hop, comme ça on a la lime. Une feignasse donc. Hop, et là. Voilà. Ne pas oublier. Sur M15. J'ai pas fait un misclic tout à l'heure, t'as. Ah bah si, là. Non, c'est M15. Cela. Vérifier. Pas de bêtises, autant bien vérifier. Faut se rendre compte bien après qu'on a fait des bêtises. Hop. Ok, donc j'ai la ligne de ça. Donc là on a tout qui rentre. Il nous en sort des rotors si je me trompe pas. Oui. Oui, oui, oui. Et pour terminer. Là, les trois là, on va récupérer ça. Attends. Je suis très mauvais. Là. Tac. Et ça a l'air d'être correct. Donc, là, je récupère mes stators. Stator par minute. Ah, attends. C'est pas 30 du tout là que je récupère. C'est 3. Ah non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ici, il faut que j'en récupère 6. Et l'autre, il faut que j'en récupère. Combien 12 12, 4, 8.
Ah ouais, j'allais faire l'inverse, j'allais faire une petite bourne encore, tiens. Ouais, parce que là j'en récupère beaucoup, trop. Oh oh, quasi mentalement, je vais pas y aller. J'ai foutu une caisse là-bas. Je vais l'utiliser. Sinon, je vais me retrouver avec plein de trucs partout là. Tac, 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 tac. Ouais, j'ai peut-être un petit peu gourmand sur les. Sur les plaques de fer. J'en ai marre d'en manquer. Ok, et tout ça, ça part dans le sol en fait. Donc. On verra ça plus tard. Ça m'en fait 30. Ok, donc je peux garder du MK1. Comme je suis jamais bon, je prends le temps. Oh putain. Non. Oui. Terrible ça. Hein. Hop. Un, deux. Donc là j'ai ça, ok. Là j'ai mes rotors. Ça quand même rotor ça. À la pente ça tombe pas hein. J'aime bien la gravité. Ça on regroupera là, je vais regrouper dans le. Dans un stocker, je sais plus comment on appelle ça.
là il me faut mes trois derniers assembleurs. Je vais vérifier. On est à quoi? On était à un quart d'heure, je crois là. Ok, donc assembleur. Et là. Allez, trois petits trucs, c'est assembleur là, c'est pas bien. Moteur. Action. Ah merde, je pouvais le mettre là. Oh, oui. Pas grave. Je vais voir un truc. Avec consomax. Ok. Là, j'ai. On va mettre un réservoir à compteur industriel. Je sais pas pourquoi. Hop, et là. Là, on va faire remplir. On a un répartiteur. Hop, ça on les remet. Et... What the... Ça, ça lime. Ça, ça, ça lime. Et... Ça... Ça lime. Ça, ça lime. Ça, ça lime. Ah non. Ah, c'est pas fini. Ah oui, putain. On vérifiera que ça tourne. Ah, et j'avais oublié que j'avais un petit souci d'alimentation des productions de vis. J'avais fait des bêtises. Oh putain, quel bordel, j'ai pas envie d'y retourner ici. J'ai vraiment pas envie, premier degré, d'y retourner ici. Alors. Bon. Là au moins. Un truc est. Là. Là. Je suis bien là. Non, c'est pas bon. Et là, c'est bon, c'est encore. Là. Et là. Là, on est passé sur une autre partie de la chaîne, non? Comme j'ai la M4-3. Là. Voilà. Ça s'appelle la flemme, mi amigo.
Ah. J'ai un autre groupeur. Et là, j'ai besoin d'un répartiteur. Là, si ça tourne, ça tourne. Non, c'est pas ça. Ok. Oh. Ça s'est joué rien. Qu'est-ce qui quoi? Ça c'est vide. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Moteur. Pourquoi? À l'arrêt. Oui, oui, je vois ça que c'est à l'arrêt. T'as un des trucs que t'as pas. Ah oui. Bon, effectivement, il te manquait un petit quelque chose. Ouais, en marche, et en fonction. Eh oui, oui, bah oui, ça marche mieux comme ça. Sauvegarde, je suis à plus de 60 heures sur cette partie, hein, donc là. Ça picote. Et là, on a le moteur qui sort. Oh, magnifique, magnifique. Quelques petits moteurs là, 15 par minute, mine de rien. Hein. C'est, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Ouh. Ça y est, enfin, gros truc de fée. Un truc ça. Plaquage intelligent, il faut. Master. Oh merde, je viens de me souvenir qu'il faut que je fasse un truc aussi. Il faut que je refasse mes cadres modulaires. Ok, oui, oui, oui. Il me faut 1000 ça, 1000 ça. Waouh, 1000! Ah bah, dis donc. C'est un produit 2, c'est ça? C'est déjà mieux. Et mine de rien, ça là. Ça me demandait 6000 poutres en acier. Et du câblage automatisé, stator câble. Stator. Stator câble, ok. On va laisser ça tourner tranquillou. Ou pas. Ou pas parce que on a encore un truc à faire. On a encore un petit truc à faire, tiens, je sais ce que je vais. Paf, paf, hop. Je
c'est ça. Et 40 moteurs déjà. 173 stator. Bon, 450 rotor. 173 stator. En fait, je vais avoir besoin d'aller augmenter ma crotte de charbon. Parce que j'ai pas mis du MK2 là-bas. C'est le MK2 que j'ai pas mis. Oula. Donc je vais aller en mettre. Parce que sinon, je vais manquer, je vais vraiment manquer de crotte de charbon. Surtout que quand j'aurai les répartiteurs ou intelligents ou je sais plus, programmables ou un truc, ce que je ferai c'est toute la prod que j'aurai en trop, je l'enverrai dans. Comment ça s'appelle ? Dans des broyeurs pour me faire des tickets. Des tickets resto, enfin des tickets si c'est vrai. Hop. Voilà. C'est vraiment pas la porte à côté, hein, la purée. Rien que ça, ça a dû me demander de bonnes heures de traîner tout ça, tout le monde. Trouver le bon chemin, etc. Hop là. M'attendent ici, ça c'est déjà un bon point. Non, parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que si tu places tes fondations là, ça empêche pas d'apparaître les monstres, il faut vraiment que tu mettes autre chose. Ça j'étais pas au courant. Alors, production, forêt MK2, s'il vous plaît. Et on alimente. Oh, normal, s'il vous plaît. Régal de le faire dans ce sens-là, le retour. C'est tellement plus vite. Sauf qu'on se prend des murs comme moi, mais bon, c'est juste parce que je suis pas dedans. Promis, ça va plus vite. Hop.
Oh dommage, oh j'ai cru. J'ai cru que je pourrais y passer, passer en dessous, mais non, rien. Manger ces noix, ça ira mieux. Mais c'est pas des noix que je vais me chercher un médecin. Hein. Mais tu es tout seul, je veux pas de médecin. Hein. J'ai pas rechargé. Ouais. Écoute. On va aller à notre production. Actuellement notre production de rotor, je crois. Pour refaire la prod, mais cette fois de cadre modulaire. En plus, on a besoin de paquets. Ah, c'est là-bas. Là, il y a moyen que je garde toute la vitesse en plus, jusqu'au là-bas. Si je fais ça bien, on va dire. Allez, fonce, 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 fonce. On dirait pas, mais déjà il va vite. Hein. Ça va un peu le ralentir quoi, un peu beaucoup quand même. Hop, bah, il a perdu un peu de vitesse quand même. Hop, et là on ralentit quand même. Voilà, et c'est tout ça. J'ai de la prod 2. Rotor. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la... C'est pratique quand même ça. Bon, je vais mettre la mineuse en arrêt. Je vais attendre que tout se vide. Là, je mets un... Parce que des rotors, je vais voir ce qu'il faut. Donc, comment ça s'appelle? Production spéciale. Broyeur. Je vais mettre le broyeur, là. Hop, je vais mettre le... Et je vais surtout l'alimenter. De 1, ça va me donner des points. Je sais pas comment ça va en produire, mais ça me fait un paquet. Hein. Je suis à 3002. Et attends, il faut mettre une disquette ici. Ah, ça me prend. Mais waouh. Ça commence à alimenter. Et en fait petit à petit ça va vider, donc là ça va vider le minerai de fer, etc. Ce truc là, comment ça s'appelle, haute fonderie, ouais, je crois. Parce que c'est haut. Etc. Enfin, on va se retrouver dans le prochain épisode, j'aurais peut-être fait ça, ou alors je trouverai un autre moyen de refaire la production de cadre modulaire, je vous tiendrai au jeu. Et en attendant, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain. C'était Thiob. Ciao!